a dit à Martin. Tu veux devenir mécanicien? Tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce que tu vas devenir si tu deviens mécanicien? On a dit à Martin. Bon, bah au moins, quand on aura des belles bagnoles, tu pourras nous les réparer. On a dit à Martin. Mais attends, c'est chou, t'es plus calme. Je sais pas, avec une dette que t'as, tu pourrais être des anges. Nous, on a dit à Martin qu'il n'y a pas d'études supérieures et d'études inférieures. Qu'est-ce que t'épargne? Vous êtes trop utile. Martin Guy, 23 ans, j'entreprends un CAP en mécanique auto depuis maintenant un mois. Et c'est vrai que cette pub, elle peut être vue à double tranchant. Et il y a des personnes qui peuvent penser que ça dénigre le métier et d'autres non, que c'est un peu une pub humoristique. Je peux comprendre les deux parties. Moi, je pense que ça dénigre un peu le métier malgré tout. Parce que voilà, plusieurs personnes lui disent de ne pas faire ce métier. Pourquoi, on ne sait pas, voilà. Moi, ça m'a choquée. La première fois que je l'ai vue, j'ai été choquée. Je trouve que ça dévalorise les métiers de l'automobile. Sur 20 secondes de publicité, vous avez 12 secondes où le jeune, on l'attaque en lui disant « Mais tu vas pas faire ce métier, c'est un métier de grouillot. » Et on ne laisse même pas s'exprimer le jeune. Il pourrait dire... Ben si, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Là, c'est tous les a priori qu'on a depuis des années sur les métiers manuels. Et donc, du coup, c'est un peu dénigré. Donc là, c'est bien parce que le gone, il ne s'est pas fait laisser abattre. Et ben, il a fait ce qu'il voulait. Et ça me fait un peu penser à moi. Parce que moi, quand je suis parti du collège, le principal m'a dit non, faites plein général. Et je voulais faire mécanicien. Et du coup, ben, j'ai fait une année de général pour rien. Je suis parti en mécanique. Au lieu d'avoir 4 de moyenne en maths, bah j'avais 18 et j'étais premier de la classe. On va dire que ça dénigre un peu le fait de sur la mécanique. Après, sur le fait que lui, le ressenti qu'il a, c'est qu'il est toujours aussi motivé. Il perd pas espoir. Moi, je trouve que ça reste quand même une bonne vidéo. Ça montre à tout le monde que malgré qu'on détruise un peu le fait de la mécanique, ou quoi que ce soit, ou que ses parents, ses alentours, il continue toujours à être motivé. Et je trouve ça vachement bien par rapport à tout ça, quoi. Super pour les jeunes, pour montrer justement qu'il n'y a pas que des études qui emmènent sur un métier. Moi, je le vois comme une valorisation. D'accord. Donc, et de casser cette image d'apprentissage. Je pense qu'en définitive, un jeune a le droit d'avoir le métier qu'il choisit. De plus, il est aidé par la banque. Donc moi, je trouve que c'est un très bon spot publicitaire. C'est un peu la réalité, en fait, la pub. Ouais, avec le préjugé, par exemple, sur nos copains qui nous demandent de réparer leur véhicule. Tout ça, c'est vrai, mais après, du côté des parents et des professeurs, ils n'ont pas tous conseillé la voie professionnelle. Il nous explique qu'on peut quand même y aller, il n'y a pas grand-chose, on est couvert. Il n'y a pas de problème, ça pas de problème, ça se passe bien même. En soi, ça vexe, mais c'est la réalité en fait. C'est ce que les gens pensent dans la vraie vie. Enfin, moi, je sais que mes parents ils m'ont dit c'est un métier de garçon, donc pourquoi tirer là-dedans? C'est un métier dur. Voilà, donc Alors, les gens de la profession souvent nous disent que c'est une pub qui va à l'encontre du métier de la mécanique, etc. Nous, des Martins, on en a beaucoup ici. Et pour le coup, nos jeunes ne le prennent pas du tout comme ça. Je trouve sincèrement aujourd'hui que pour ma part, c'est une pub plutôt bien faite. Et de dire, des Martins, on en aura plein demain parce que les études supérieures, c'est aussi par la voie de l'excellence de l'apprentissage. Donc pour nous, CFA, ça n'a aucun impact par rapport au métier en lui-même en tant que mécano. Et bien au contraire, on parle d'eux pour une fois, et ce qui est plutôt très positif. Autre point qui me gêne, aujourd'hui, on s'adresse à des apprentis pour du financement de crédit. Les apprentis, par définition, sont rémunérés, les études leur sont payées. Donc j'ai du mal à comprendre quelle est la cible de cette vidéo pour...
des apprentis, sachant qu'ils n'ont pas besoin de solliciter de prêts, parce qu'ils sont déjà payés, ils sont chez papa-maman. Ils vont pouvoir capitaliser et au moment où ils vont vouloir s'installer, ils auront déjà un bagage financier qui leur permettra de subvenir à leurs achats conséquents d'installation. Donc une vidéo que j'ai du mal à comprendre, quelque chose d'aberrant. Vouloir financer des apprentis, mais financer quoi des apprentis? C'est un public qui par définition n'a pas besoin de crédit, parce qu'il est payé et il ne paye pas ses études parce qu'elles sont payées par l'employeur et par les OPCA. Voilà, quelque chose qui me gêne en conséquence et je pense qu'il est le fruit de beaucoup de maladresse et de non-connaissance de nos métiers. Et je vous invite à venir découvrir nos métiers, que ce soit dans le vélo, dans la mobilité d'une façon plus large, que semble-t-il, il y a une erreur d'appréhension.